Roland Garros, Tsonga éliminé, Nadal, Djokovic, Williams et Mladenovic poursuivent leur route. Le français Jo Wilfried Tsonga, 11e mondial, a été éliminé mercredi 31 mai au premier tour de Roland Garros par le 91e mondial, l'argentin Renzo Olivo, 7-5, 6-4, 6-7, 6-8, 6-4. Le match avait été interrompu par la nuit mardi, alors que les joueurs disputaient le 4e set. Un seul jeu a été disputé mercredi, Tsonga perdant son service et la rencontre. Le Manceau n'avait plus été battu d'entrée à Roland Garros depuis 2005, lors de sa première participation. Ses meilleurs résultats sont des demi-finales en 2013 et 2015. Son unique autre échec au premier tour d'un grand chelem datait de 2007 à l'Open d'Australie, soit avant son éclosion au plus haut niveau, en 2008. Tsonga avait fait une pause pour la naissance de son fils, au mois de mars, mais il restait pourtant sur une victoire au tournoi de Lyon, la semaine dernière. C'était le premier titre de sa carrière sur terre battue. Il avait notamment remporté un beau succès en finale sur le Tchèque Thomas Berdych. Je suis désolé de ma victoire aujourd'hui. Le match a connu de nombreux rebondissements. Le numéro 1 français a perdu rapidement les deux premières manches, puis est passé à 2 points de la défaite dans le tie-break de la troisième. Quand il a fait le break au début du quatrième set, 2-1, le cours du match semblait pouvoir changer, mais c'est l'Argentin qui s'est détaché 5-2 puis a servi pour le match, en 20, à 5-3. La partie a alors été interrompue par la nuit à 5-4. Mercredi, Tsonga a perdu les 3 premiers points sur son service, offrant 3 balles de match à Olivo, qui l'a sauvé. Mais la quatrième lui a été fatale. Je sais l'importance de Jo pour vous et je suis désolé de ma victoire aujourd'hui, a dit le Sud-Américain au public du Central. Parmi les favoris, Rafael Nadal a facilement dominé le Néerlandais Robin Haas, 46e mondial, 6-1, 6-4, 6-3. Il affrontera au prochain tour le Géorgien Nikolaos Basilashvili. Le Serbe Novak Djokovic a surclassé le Portugais João Sousa, 59e joueur mondial, 6-1, 6-4, 6-3. Le numéro 2 mondial affrontera le terrien argentin Diego Schwartzmann, 41e, pour une place en 8e de finale. L'Autrichien Dominic Thiem, 7e mondial est l'un des plus sérieux outsiders du tournoi. C'est de son côté qualifié pour le 3e tour en dominant facilement l'Italien Simone Bolelli, 470e, 7-5, 6-1, 6-3. Le demi-finaliste de l'édition 2016 affrontera au prochain tour l'Américain Steve Johnson, 26e, ou l'espoir croate Borna Koric, 40e. Williams et Mladenovic passent. Chez les dames, l'américaine venue Williams, 11e mondial, s'est tranquillement qualifiée pour le 3e tour de Roland Garros en battant la japonaise Kurumi Nara, 90e, 6-3, 6-1. Venue Williams, qui dispute son 20e Roland Garros et dont le meilleur résultat à Paris est une finale en 2002, sera opposé au tour suivant à la Belge Elise Mertens, 60e, ou à la Néerlandaise Richelle Hojankan, 105e. La Française Kristina Mladenovic s'est quant à elle facilement qualifiée pour le 3e tour en battant l'Italienne Sara Errani en 2-7, 6-2, 6-3.
La Française, 14e mondiale, s'est montrée en progrès par rapport à son premier match, gagné très difficilement contre l'Américaine Jennifer Brady.